Alors j'ai accepté de participer à cette convention pour pouvoir permettre de faire bouger les lignes et pouvoir apporter un regard extérieur sur la fin de vie, vu que j'ai connu ça au titre personnel pour ma mamie, pour que les personnes en fin de vie puissent partir dans des conditions dignes et en faisant des propositions qui soient adaptées à chaque cas. Le tirage au sort, ça s'est passé que j'étais chez moi, j'étais en train de jouer à un jeu vidéo et j'ai reçu un appel sur mon portable. Et au début, j'ai cru que c'était une blague, parce que je voyais que c'était un 01, j'ai dit c'est de la pub. Et la première phrase qu'elle m'a dit, j'ai rien à vous vendre, c'est pour la convention citoyenne. J'ai dit c'est quoi? Et là, elle m'a expliqué, je lui ai dit écoutez, il n'y a pas de souci, je suis intéressé pour y participer. Et c'est super intéressant de faire des débats et de participer à ce genre d'événement. C'est une chance et un honneur que je me fais un plaisir d'être là. Les moments forts, c'est la présence des intervenants qui sont présents, qui nous éclairent sur des questions qu'on a. Et ce que j'en pense, c'est vraiment très positif. C'est une expérience que je suis en train de vivre. Je découvre à chaque heure, j'apprends des choses et je découvre des choses. Et c'est vraiment très positif et très formateur. Alors moi, mes attentes pour le prochain week-end, ce serait qu'on puisse commencer à faire une table ronde et à argumenter sur la fin de vie et commencer vraiment les débats. Alors premier mot, honneur, joie et sérieux.